numéro 4 qui est le dernier sachet du coup avant qu'on attaque la pyramide. Hein. Elle-même. Pas mal de déco, a priori. Porte. Ok. Ça, ça va en haut. Voilà. Ensuite, on va faire les deux petites pyramides qui vont aller là. Faire un peu de place du coup. Ça, 6 angles, enfin 6 carrés. Alors.
lieu, on met du coup. Ensuite, on va mettre les sarcophages. Pour les momies. Juste, il en manque un. Parce qu'il est. Alors, où est-ce qu'il est celui qui me manque ? Là. Voilà. Et voilà, on a les petites pyramides. Oula. Alors, 17 points. Ok, j'en ai 17 comme ça déjà. Ensuite, il faut 6 doubles.
5, 6 et 20 en Darktan. S'amuser ça. On va faire le côté gauche d'abord. Je pense que ça va être pour placer les palmiers. Normalement c'est bon de ce côté là. Il m'en reste un. Il m'en reste deux. Alors où ils vont après. Les verts ensuite. J'ai Darktan, il m'en reste deux, je vois où est-ce que j'ai oublié de les placer. Un là déjà. Alors maintenant j'ai 29 bright vert et 20 et 13 olives. Donc c'est bien les palmiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you.
2. Et 16 olives. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Alors maintenant, tout s'est passé. Ensuite, un bright. Non, pas mal une fois que c'est fait. Que c'est folioté. Alors.
Hop. Et voilà du coup pour le foliotage. Il y en a encore quelques arbres à placer, quelques plus grands arbres. 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, et 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, on va faire du coup l'entrée ici. Et voilà, et ça fixe le tout, ce qui fait que les escaliers ici bougent plus. Ça et deux grands angles. Alors on met d'abord les angles.
Il est plus petit. Et on finit avec ça. En mettant bien, ce sera mieux. Voilà. Ok, voilà donc pour l'entrée. Et c'est tout. Voilà ce que ça donne vu du haut pour l'instant. C'est assez sympa. Franchement, j'aime beaucoup tout le petit village et tout autour. Alors, les pièces en rab sur ce sachet, on a tout ça.